Prenez votre guide des associations au stand de la mairie et faites votre choix. À Souffle, la rentrée, c'est aussi celle des associations. On regarde, on fait le tour et puis on voit ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent faire comme sport ou comme activité culturelle. Bah, Jules s'oriente vers le basket et Noé aussi. Moi, je veux faire de la boxe, de la batterie, du foot, de la batterie. Et ben moi, je vais peut-être faire du flag. Bah, basket, foot. Choisir son créneau horaire, prendre le temps de discuter. Dimanche, plusieurs centaines de personnes ont fait le tour des 33 associations présentes sur les 42 actives dans la commune. On n'a pas terminé de faire le tour, mais on a déjà trouvé l'activité pour moi, faire du sport. Lequel ? Sport pour tous. Oh ben on vient se renseigner pour les activités de ma fille. On regarde pour elle la danse, le sport, voilà, toutes ces activités-là. Parmi toutes ces activités, il y a toujours des nouveautés. À l'espace jeunesse, par exemple, on a créé un atelier web radio en partenariat avec le collège. C'est tout nouveau, ça va être une fois par semaine, en même temps que les ateliers théâtre. Nouveauté aussi, un samedi par mois, ou peut-être même deux, voire le samedi jeu de société en folie. On a mis aussi un nouveau atelier permanent à l'année, atelier art plastique. Nouveauté encore à l'université populaire, avec des cours de français à l'écrit. C'est tout ce qui est améliorer son écrit, sa grammaire, son orthographe, même si on est francophone à la base. En football, une équipe de U13 féminine devrait voir le jour. Et aux géants. On ouvre une nouvelle section qui s'appelle les Tini. Ça commence à partir de 6 ans, donc ça sera des 6-7 ans. Chez Cocktail Fitness, on inaugure le Sculpt Bar. C'est un cours de renforcement musculaire visant à améliorer votre endurance musculaire. C'est une séance adaptée à tous, avec des objectifs bien précis. Et vous pourrez ainsi améliorer vos performances sportives sous mes conseils. À noter que l'Amicale des retraités se porte toujours aussi bien, que le judo club fêtera en 2018 ses 10 ans. Quant au Corps LFL, c'est un peu l'événement de cette rentrée, ils fêteront leurs 40 ans en novembre. On va vous présenter un nouveau spectacle, je dirais en première mondiale, concocté par Jean-Luc Nett, une fois de plus bien sûr, et va nous sortir un spectacle. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, puisque la surprise doit être un peu ménagée. Dites à tout le monde de prendre rendez-vous le 11 et le 12 novembre. C'est noté dans l'agenda de Souffle Play. Autres événements à annoncer, ça commence ce dimanche avec Voyage autour du monde. Le 17 septembre, ce sont les Journées du patrimoine. Les 23-24, ce sont les Journées de la photo, spécial charme cette année. Et en novembre, l'expo de Souffle Modélisme. Bref, une rentrée bien chargée. À Souffle-Weyersheim, 2700 personnes ont une activité associative.